Bonjour à tous, c'est Céline pour le petit point info course. Alors, il est 3h de l'après-midi, on va vérifier la dernière position. Alors, pour Tapio et l'ensemble des concurrents, la dernière position était à 12h UTC, c'est-à-dire à 1h de l'après-midi, donc il y a 2h. Voilà pour ce qui est de la carto. On va voir d'un petit peu plus près. Donc, pour Tapio, qui a quand même bénéficié des vents forts lié à la forte dépression donc, qui était juste en dessous de lui, donc une tempête qui venait là du Cap Horn qui a remonté ces derniers jours. Donc il a eu des vents assez favorables, Tapio, ces 4 derniers jours, mais on voit bien que là ça commence à ralentir. Voilà, il n'est plus qu'à 2,2 nœuds. On va voir pour les prévisions. On zoome un petit peu plus. On va se remettre au jour d'aujourd'hui. Et on voit que Tapio, ben devant lui, il n'y a pas beaucoup de pression, des vents assez confus. Donc on avance jusqu'à demain. Après-demain, ben il n'y aura pas grande différence effectivement. Donc des conditions assez moyennes. On est dans des zones bleutées, vert clair, c'est-à-dire entre 5 et 15 nœuds. Et voilà, on est au 28. On avance jusqu'au 1er mars. Au 2 mars, donc il sera un petit peu plus haut. Mais on voit que ça reste très léger avec peut-être même des vents contraires qui arrivent. Donc Tapio va avoir 4 jours de navigation assez lente. Il lui reste encore plus de 5000, 5200 milles jusqu'à l'arrivée, avec donc une progression assez lente sur ce début de semaine. Et puis, bah par contre, tout va bien à bord pour Tapio. Il continue à relire ses livres. Et on voit que le Suali donc, a progressé. La position, donc la dernière position du Suali au 23 février. Donc, il se trouve quand même en avant et un petit peu plus à l'est de Tapio, avec une position réelle qui doit déjà se situer à peu près par là. Donc Tapio toujours en retrait par rapport au Suali. On va aller voir ce qu'il en est pour Isvan. Donc il se trouve lui déjà dans l'hémisphère nord depuis un bon moment. Alors Isvan, effectivement, il s'est retrouvé bloqué pendant 4 jours, hein. C'est ce qu'on avait prévu, prédit un petit peu lors du dernier tracker. Bah, Isvan s'est retrouvé bloqué, frustré dans une zone de très légère brise. Donc on va voir où il en est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il a bénéficié de quelques vents quand même. Il est à 4,8 nœuds, donc il a pu quand même repartir. Mais on voit bien que sur la distance parcourue les dernières 24 heures, on est à 57 000, donc c'est vraiment pas grand-chose. Ça montre bien il était encore bloqué ce matin. Pour ce qui est des prévisions pour Isvan, alors on voit que se dessine devant lui, et bien à nouveau une zone de calme. Voilà, juste en dessous de cette grosse dépression qui sévit toujours dans son nord et qui vient écraser là, c'est le cœur de cet anticyclone, normalement anticyclone des Açores, qui sont un petit peu plus haut. Mais effectivement, il va devoir une nouvelle fois franchir une zone de calme, donc d'ici eh bien d'ici demain, après-demain. Voilà, si on avance dans les prévisions. Donc on est à 2 jours. Jusqu'au 1er mars, il risque effectivement d'être coincé là dans cette zone. Il va pas avoir d'autre choix que de traverser cette zone de calme pour pouvoir retrouver un peu de pression.
La problématique, effectivement, il avance, mais on voit bien que là, il prend une route plutôt nord-nord-ouest. Alors Coucou est déjà sur une route nord-est qui l'emmène en direction des Sables-d'Olonne. Donc effectivement, en termes de distance à l'arrivée, eh ben, il n'y a pas de grande progression quand même. On se souvient que la distance entre Isvan et Oukou, donc il y a 4 jours, était d'à peu près 500 000 d'écart. On va remesurer aujourd'hui, mais il semblerait effectivement que ces 4 jours de faible pression lui aient coûté. Voilà, il est à plus de 800 000 d'écart du coup. Donc ça semble maintenant très très compliqué pour lui de réussir eh bien, à le rattraper. Alors pour ce qui est du coup, au jour d'aujourd'hui, voilà comment se présente sa carto. Donc effectivement, au coup, ben, il a très très bien avancé en profitant eh bien, effectivement de cette énorme dépression. Il se retrouve là aujourd'hui un petit peu ralenti, mais il est encore à 5,8 nœuds, avec donc des vents qui commencent à affaiblir un petit peu. Et il est maintenant plus qu'à 1400 mètres. 1400 milles nautiques de l'arrivée. On va voir pour les prévisions. Voilà, donc on voit qu'il va retrouver un petit peu de pression, de bon vent portant 'ici le 28. Voilà, il aura dépassé la zone des Açores. Voilà, il se situera par là, donc toujours dans de très bons vents qui devraient le suivre jusqu'à son arrivée. On va avancer les prévisions. Voilà, on voit même des vents jusqu'à 20-25 km/h qui pourraient l'accompagner sur toute la semaine. Et puis ce système dépressionnaire qui semble arriver aussi vers le golfe de Gascogne et qui pourrait bien l'accompagner sur sa dernière semaine. Avec une ETA, donc pour l'instant toujours prévue pour Oukou, aux alentours du 11-12 mars. Oukou qui nous précisait effectivement que niveau nourriture, eh bien, il n'a pas pêché de poisson, mais qu'il a profité d'un très bon surf. Et puis, malgré ses 20 kilos perdus, eh bien, je pense qu'il est très très pressé d'arriver. On va aller faire un petit tour maintenant du côté de Markslatz. Voilà, qui avait donc repris la route jusqu'à son port d'attache en Hollande, qui est arrivé samedi dernier et qui a bénéficié, lui, donc d'une météo plutôt clémente, de température printanière et d'un accueil de centaines de personnes donc, qui étaient venues l'accueillir en Hollande pour son retour à la maison. Voilà. Eh bien, à bientôt. Je vous retrouve en fin de semaine. Merci à tous.